Sword ready? Oh, you're not happy with your land. Hmm? You're not happy with your land, or you saw the relic? Relic? I mean, I'm happy with my land. I was not happy from turn one, so I don't really care about the relic. Okay. I would have remapped anyway, you know? It's like the type of spawn where you remap right away, but you wait turn 8. Yeah, yeah, I know that. For your opponent to remap. Coastal things. Just to be peninsula, maybe. I hope I get better spawn, to be honest, but we'll find out. Okay, it's Firaxis. Well, I was not, it was going to be Firaxis for your vote. I know it was Firaxis, I spawned without Thunder, man. Man, I know it was Firaxis, I had 0-2. I mean, I have 0-2 and I have Thunder, so. Are you streaming or not? Hmm? Are you streaming? Yeah. So we both have live on. What? I'm absolute. I think it's Firaxis again. Oh, it's not. Yeah, it is. Is it? Oh, it's Firaxis, yeah. Hmm. Only because Russia. Yeah, probably. Yeah, yeah, I don't usually play Russia on those. The maps don't have many Tundra, so when you have a roll of map with no Tundra, the game bugged. VBS tried to put you on the map, he can't, and so Firaxis does. Is it Firaxis again? No, it's not. It's not? It's not? BBS. Okay. Perfect. Good luck.
Oh my god. Thank you.
Thank you.
though its face may change. GG, dude. GG. Where? I don't know. I just got out-seamed. I mean, dude, I'm doing the new strat. It's working, dude. I have Diplo, by the way. Statue 3. Yeah, you have everything. I'm just behind by far. And you have no GPT. I was like looking, and you. Well, you have one GPT now, but before I look, you have zero, and you were pillaging. Went heavy culture early game. You went what? You went for theater squares and campuses and arbors. Yeah. I was hoping you would be coastal, but only one. I mean, I didn't even have the privateer to pillage, so. I mean, I had fascism in. Yeah, no, I 6, 9, 9, and helicopters in 8. So my plan was to all in you on helicopter. Okay, so we can use GG. GG. I'm going to check if there is a reserve bucket, but I don't think so. What are you saying? It's a simple elimination. Your next game is versus Astikos. I think you can contact him and launch it. How do you know? Wait, 1-2. I don't know. GG. GG. Pour le land de Zeggy, il a l'air bien rempli quand même. Je sais pas où ça cap. Ça cap a l'air costal de l'autre côté. Hello Sandro, GG. GG guys. GG Sandro. Astikos, I think I play with you now. Yes, we need to ask Fiersos if we can play or not. I'm not sure if we have to wait. Okay, okay. No problem. Wow. Okay, I will need to be careful then. I didn't say this. Hey, t'es dit que ça a repris un peu l'avantage en termes de stats là contre le Jack. Ah ouais, attends, je vois, c'est dommage. Moi, je le laisse. Ouais, mais ça, j'ai peur. Le scaling d'un Alienor, c'est le dernier en Egypte. Ouais. Bah ouais, mais là, Titi, ça a très bien revenu en termes de stats. Alors, tu l'as perdu, je sais pas comment il va faire ses golds, hein, par contre. Déjà, tu l'as bien joué, il a rasé les 3 CS. Donc, tu peux plus trade, quoi. La route interne, c'est pas un petit peu interne ou. Ouais, t'es obligé de mettre la terre. Tu dois la carte des gueules sur les routes. Hein. C'est sûr que tu runs pas la carte des émissaires. Oh, ouais. Oh, il a un bon vote. Ah ouais? Je sais pas comment Jet fait ses gueules par contre. Bah, avec ses ports, ouais, il a des ports, il a des poissons avec des cadres. Ouais, j'avoue qu'il y a des poissons, il y a des poissons. Ouais. Et la carte du mercantilisme, c'est assez cool en duel quand même. Route, là ouais, les 4 goals, moi jamais. Hein. Ah, les 4 goals, ouais. Ah, la merde. Bah, même en duel, hein, quand t'as une dizaine de routes, là, ça fait quand même 40 GPT. Si t'es un peu en carte des émissaires aussi, là, elle est bien dans la route. Ouais.
C'est marrant parce que tous les matchs du bas du tableau sont finis et tous les matchs du haut du tableau sont en cours. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Je pense que le bas du tableau il était déjà meilleur que le haut du tableau. Quoi. Moi je pense que les bons joueurs gagnent avant l'âge d'or. Exactement, tout à fait d'accord avec toi, mec. Ou perdre avant l'âge d'or. Et les meilleurs des perdants perdent avant l'âge d'or aussi. Là, c'est pas des mecs d'élus qui s'accrochent à leur game jusqu'au tour 90. J'ai compris que tu préfères te concentrer plutôt sur le tour 2v2 qui est plus important. Plus ouais, ah, le... Ça, par contre, le tour 2v2, mec, on perd pas une game. Le rôle de tremplin te va bien. Tu propulses JR. Ouais, moi non plus, je vais pas perdre une game au tour 2v2. Barty, tu t'es pas perdu. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai perdu. Mais il m'a dit qu'il était pas là pendant une partie de semaine en vacances, du coup ça sert à rien vu si on devait forfait 3 matchs. Quoi. Bah vous avez pu hein, il y avait qu'un match à forfait au final. Ah bon? Ah il est revenu cette semaine et cette semaine on a fait le deuxième round. Ah. Moins 32 GPT Titi. Cherso s'il caste avec l'âge non? Ouais. Oui. Mais je pense qu'il participera au prochain. Les gens qui veulent moins jouer et plus cast, ils pourront les arroga, tu vois. En tout cas, merci. Éliminé en 15 tours. En tout cas, merci Bart, parce que moi j'ai utilisé absolument zéro ressource physique pour tuer. Tous les autres qui font des games de 100 tours là où ouais, tu peux tout analyser, tu peux tout analyser, tranquille, ouais. T'es pot chill. Ah, ça va très très vite, t'as pas le temps de jouer un peu, je pense. Bah oui, mais genre là, notre game elle a duré 5 minutes, non? Même pas. Attends, je vois Roy Batil en train de... Roy Batil en train d'écrire dans le reporting, ça veut dire qu'il a win? Ouais, JR, Firsos, il a écrit d'attendre au moins 16h apparemment. Non, 14h il a dit. Alors, ah non, 16h, pardon. We have to wait until 4 p.m, Sandro. 4 p.m? It's 25. Oh, French time! Oh, ok, ok. Hey. Qui dit... What? Il s'est pris une diplo tour 5, tour combien? Tour 94. What the fuck? Mais non. Incroyable. Oh là là là. Là. Peut-être pas. Ah ça c'est ça, de la ça, grande. Ça, c'est peu, ouais, hein. Et on voit ma body à ce moment là. Voilà, ça, ah ouais, diplo comme. Et nous qui disions que c'était la fumée, Roy Batty qui Bah, Roy Batty, tu vois, il connaît les formeries du 1v1. Incroyable, ça me rappelle, je sais pas si vous vous rappelez, le premier tournoi 1v1, en finale du tournoi, il y avait Titis contre Clark. Titis, Japon contre Sulu, ouais. Qui perdait des villes tous les tours, et qui dans sa ville, je crois que c'était le Kotala, sa dernière merveille, qui était là, il a smoothé pour tenir les 15, pour que Clark aille se mettre sur son Kotala. Une fin de partie incroyable alors que Hilark était genre largement devant en termes de stats, de yield, de tout ce que vous avez. Hilark qui joue Zulu. Hilark qui joue Zulu. Ouais. C'était une des games du BO2. Alors, qui c'est qui me reste? Il me reste Mike, Max et Trinda. Eh, j'arrive sur le stream de Trinda, c'est 97. Qu'est-ce que je vois, Zaggy qui hop, 2 AT Crew. Ah, ils ont eu la même idée les deux. Et du coup, ça veut dire que ton 97, Azagi il a les labos, là il est pas encore. Non, mais Azagi Azagi il va rush une bomber. Azagi il va rush une bomber, c'est sûr. Mais c'est bien, tu vois. En vrai, c'est bien ce que t'es. Là, il a vu les deux équipes sous upgrade, il a souri de façon. Oh le vrai, Azagi lui met 150 points. Il doit avoir 150 points et surtout je pense qu'avec 3 de la vie. Les bondeurs, regarde les bondeurs à gauche, déjà on voit un colisée qui touche civil, au moins. Et Trindash. Je sais pas où ils ont sorti un diplo sur ce game. Il va avoir. Du coup, quand t'es en 1 ça, t'es en route interne, ça arrive à fait, c'est pour communiste. Ou vraiment communiste, ça va vraiment être communiste. Oh, non. Tu fais l'héritage fascisme d'abord, je pense. Ouais, c'est ça, d'abord tu passes par fascisme, mais je pense que. Waouh, c'est bon. De toute façon, t'as pas besoin d'aller en démo parce que ton activité tu l'as avec le stade. Oh.
quand t'es au coup de remonter 3, tu as les stats. Prochain Etikru, on le voit en direct, du coup c'est tour 48. Je sais pas si. Ouais, il doit. Etikru, c'est air atomique, hein, y'a pas de général. C'est. C'est air moderne. On voit là. Ah, et du coup, le premier qui touche les labos force l'autre à délayer un petit peu à cause des Etikru. Beau jeu, hein. Non, mais il délaye pas, il a l'optique qui arrive là, il est en train de faire des infanteries de ligne. Oh, il y a l'optique qui arrive, okay. Ouais, regarde, il y a deux infanteries de ligne à l'externe. Là, il est en train de faire acier pour pas se faire acier civil. Azazil, la 300 de culture, c'est la fin, hein. C'est fini. Ouais, c'est la fin, pour, je pense avoir les gouvernements et les des trois là. Le nombre des ticots qui vient, il y a des tirs armés partout. Il y a 100 militaires de bras de l'équipe. C'est quoi ce... Charles Darwin. Ouais. Mais non, fais refining, ou voilà, ou un tour de flight. En fait, il fait pas que des infanteries pour le petit, je crois. Je crois qu'il veut se défendre avec des infanteries. Après, non, c'est sérieux. Moi, je me rappelle d'avoir pêché Talasta avec Etikru mitrailleuse. Là, t'es dans ton gameplay classique avec tes. On voit pas les trades, c'est sous sa caméra. Il y a un mec dans mon chat qui me dit, le grand qui me dit, les guitares, je suis mal marié. Oui, il en est mal. Ah! 62 sciences de moins. Ah, il y a des battes là! Il a plus de culture, il y a des battes. Il y a des battes, des plantations, pas des plantations. Parc d'assemblée d'appartel. Les Asiatas, les Asiatas, c'est quand même bon. C'est bien, on en avait un, ouais. Ouais. Prenez gold. À partir du moment où vous avez un coup de tout dans vos quelques cavaleries, après il faut que Malm il aille débloquer tout le monde. Il suffit pas de faire des cavaleries, il suffit pas de s'empaler. Ah ouais. Pas de contrôle naval, ça veut dire que c'est complètement. Il a jamais formé sa religion, hein. Non, c'est un plus 5. Donc il arrive à défendre de. Donc il arrive à maintenir la religion pour plus loin. Il a pas de raison de. C'est pas bien, mais il y a les rois. Je pense qu'il faut quand même deux petites bombardes pour aller raser Mithna. C'est bien, mais ça aurait été mieux 15-20 tours plus tôt, quoi. Je pense que tu sommes dedans, peut-être, hein. Dans les murs. Non, t'es un malade, tu slams pas dans les murs. L'émissaire là, elle doit avoir 80 ou 90 de def, tu slams pas dans les murs. C'est bien, il a fait des battes, mais un peu tard quand même. Hein. Il en a fait beaucoup là, c'est bien. Et là, ça va être. Comment ça s'appelle, Hacienda Spark. Il se fait profil, il a pas bougé en stade depuis qu'on avait regardé. On a vu tout à l'heure qu'il a genre 4 ou 5 frégates armées sur sa côte. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Je suis étonné qu'il ait pas resettle non plus propi, non. Il a combien de villes là? 6. J'ai l'impression qu'il a une ou deux bonnes villes en bas de bit là, quoi. Mais... Je pense qu'il est ré. Je pense pas. Je pense qu'il a décidé de rester derrière cette chose pour jouer safe, mais au final ça on l'a bien. C'est marrant, on veut plus. Est-ce qu'on savait si. Non, les Haciendas, elles n'ont pas été changées. La Colombie, rien n'a changé. C'est au niveau de l'Espagne. L'Espagne, elle a ses missions. De toute façon, il n'a pas beaucoup de villes. Donc... Bon. Petite update, ici Jack. En fait, Jack, ouais, c'est un peu mieux là. Hein. Ah, sans blague, c'est énorme. Ils s'approchent du tour 100 là. Ils sont égaux en score. Mais le problème, c'est que Titi, c'est en négatif, quoi. Ah. Jack il voulait faire le malin avec son MDR. Oh. Ouais, ah, ça pille 12 gold, allez. Ah, ça pète. Ah, il répare. Je fais pas ça en vrai en very late game. Et tu sais que j'ai appris il y a pas longtemps. Barrière anti-inondation avec. Ah bon? Ouais, incroyable mec. Ça me ah, mais t'as vu, c'est optimalistique? Ouais, il a fait les deux fois. Ça c'est rare les autres. J'ai plein de
moins bien. Though it's face, les grandes inondations elles sont là à 1000 de trop cher. Ouais, ouais. 1200 de prod. En gros, tu vas sur une case. Pourquoi Titus, s'il est allé mettre une ville sur la côte contre une Angleterre, genre il a dû voir ça passer et tout quoi. Non, mais Titus, c'est un marlou, il a fait ça au cas où déjà tu sois pas rigoureux, mais.